Nicolas, arrête de jouer avec tes boules. Ça, c'était mon père. Quand je venais tout juste de commencer à apprendre à jongler, j'avais 18 ans et j'avais la fougue de la jeunesse. À cette époque, une chose était sûre pour moi. J'allais être jongleur. Nicolas, arrête de jouer avec tes boules. Non mais franchement, vous croyez que ça motive ? Qu'est-ce que c'était dur à entendre. Moi, j'aurais plutôt préféré entendre. C'est bien ce que tu fais. Vas-y, continue. Tu me régales. Les années ont passé et j'ai fini par en faire mon métier. Bon, enfin, pour être honnête, j'ai deux métiers. Je suis développeur d'applications informatiques et jongleur. Mais malgré ça, j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase. Nicolas, arrête de jouer avec tes boules. Et un jour, miracle, j'avais enfin compris ce que mon père voulait me dire. Il voulait tout simplement m'aider. En m'offrant une nouvelle piste de travail, il me suggérait d'essayer de jongler avec de nouveaux objets. Et grâce à ce merveilleux conseil, j'ai décidé de créer un laboratoire de curiosité artistique dédié à la création de nouveaux objets pour jongleurs. Ça, c'est mon drone. C'est le premier objet que j'ai voulu fabriquer. Fabriquer des drones pour jongleurs. Et bien évidemment, cette idée était extrêmement facile à réaliser. Bah oui, surtout ici, en Nouvelle-Calédonie. On trouve des magasins de pièces détachées pour drones de partout. Bon, bah du coup, j'ai tout commandé par correspondance. J'ai attendu quelques semaines. J'ai reçu mes pièces. J'ai monté mon drone. Je l'ai démarré et... il a brûlé. Du coup, je recommande les pièces. Nouveau rebondissement. Une pièce est défaillante. Et ça m'oblige. Je recommande la pièce. Et au bout de 3 mois, à force d'attendre mes pièces, me voilà avec quoi ? Ben, ça ? Un culbuton géant ? Thank you.
Imaginez la surprise dans mon entourage. J'annonce que je vais utiliser des drones. Et je montre des culbutos géants. Alors, c'est prêt ? Tu nous montres ça quand ? Ça, c'est la pression exercée par mon entourage depuis le début de la création de mon laboratoire. Bon, faut dire que je l'ai un peu cherché. J'ai travaillé pendant plus d'un an sur une multitude d'objets, sans jamais rien montrer. Et durant cette année, j'ai été très seul. J'ai été seul face à mes idées. J'ai été seul face à mes échecs. J'ai été seul face au temps qui défile. Et surtout, j'ai été seul face à mes doutes et mon envie de tout plaquer. J'ai commencé à jongler tardivement. J'avais 18 ans. J'étais étudiant en informatique et j'étais inscrit à l'école de cirque. Tous les jours, j'allais à la fac et tous les jours, j'allais à l'école de cirque. Et puis, le mois de décembre est arrivé. Bonjour Nicolas, c'est papa. Alors, comment se sont passés tes examens ? Plutôt bien, je suis assez content. Oh, le cauchemar! J'avais pas annoncé à mon papa que j'avais arrêté mes études. J'étais hyper mal à l'aise. J'avais peur de sa réaction. Bah oui, il a fait une brillante carrière d'ingénieur agronome. Il a passé sa vie à faire des hybridations, des croisements entre les espèces. Et puis, le mois de mai est arrivé. J'étais face au mur.
Je pouvais plus mentir. Je devais lui dire la vérité. Papa, tu sais, ça fait 6 mois que j'ai arrêté mes études. Mais c'est pas grave, je vais faire jongleur. Arrête de jouer avec tes boules. Au passage, juste une question à méditer. Pour qui était-ce le plus dur ? Pour mon papa, qui souhaitait que son fils fasse de brillantes études ? Ou bien pour moi, qui n'a jamais eu de soutien dans sa passion du cirque, mais qui devait faire ça en cachette ? En tout cas, si jamais un jour je dois arrêter mes études, au moins, j'ai rien à craindre. Bah oui, j'ai fait des études d'ingénieur. Et une chose est sûre, c'est que vous ne me verrez jamais fabriquer des objets inutiles. Et si je faisais un spectacle qui mélangerait mes deux compétences, ingénieur et jongleur, et je l'appellerais hybridation. Eh oui, ce serait un croisement issu de mes deux passions. Et en plus,
Ce sera un clin d'œil à mon papa. Tu vois, moi aussi, papa, j'en fais des hybridations.